Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Vanir et Anagund. Salut. Et nous nous retrouvons présents ici pour un Oldies. Vanir a encore gagné le concours des stagiaires. C'était le plongeon la dernière fois. C'était le plongeon la dernière fois. Là, ce coup-là, c'était le bras de fer. C'est ça. et il a battu donc un stagiaire qui faisait pourtant 120 kilos, qui était assez mastoc. Mais écoute, tu l'as battu, c'est incroyable. Pour pouvoir nous présenter Donkey Kong Country, la version Game Boy Color. C'est ça. Et c'est un compatible jeu avec... aussi Game Boy Pocket. C'est un jeu qui a un peu de rapport avec l'actualité, parce qu'au final, on va parler d'un portage d'un Donkey Kong sur console portable, ce qui est arrivé récemment, un Donkey Kong Country Return. C'est peut-être pour ça que c'est de là que t'es venu l'idée. C'est de là que t'es venu l'idée. Il est fort. De ressortir les vieux jeux du tiroir. Il est incroyable. Alors, ben justement, tu vas nous expliquer ce qu'apporte ce portage. Ce qu'est ce portage, voire même ce qu'est l'original. Bah en fait là on est vraiment face à un portage de la version d'origine de Super NES. Il est sorti en 94, si je dis pas de bêtises. C'est une grosse connerie mais non, tu dis pas de bêtises. Enfin, je pense pas, j'ai pas de fiche mais je crois bien 94 ou 92, c'est une des deux en tout cas. Ah pas 92. Bon bah c'est 94 alors. Et donc là c'est le portage pur et dur du jeu sur Game Boy Color. Et ouais. Ce qui est intéressant c'est que je vais montrer dans les niveaux. En fait ça a été très très bien porté. Au niveau du graphisme ou même les niveaux sont vraiment totalement identiques. Bah, on parle quand même de Game Boy Color, c'est-à-dire c'est avant l'Advance, c'est vraiment la première Game Boy avec des couleurs rajoutées. Donc c'est vrai que niveau puissance, ça se pose là, c'est quand même assez léger à la base. Ouais. Donc c'est pour ça que là je commence par montrer le premier niveau, parce qu'en fait c'est un niveau qui est quand même assez connu vu que les gens ont essayé Donkey Kong Country, forcément on commence toujours par le premier niveau. Donc c'est l'occasion de montrer que le jeu est vraiment bien. Est vraiment bien porté. Mm-hmm. C'est vraiment les mêmes mobs, hein, les mêmes graphismes. Les mêmes musiques. Alors les musiques, je vais y revenir dans le niveau que je vais montrer après, elles sont vraiment très très bien faites. Et ça, c'est pour le support Game Boy Color, c'est vraiment très impressionnant. Ouais. Ah ouais, non, mais je comprends bien. Et on a toujours les mêmes options à rattraper. Là, pour le coup, c'est un vrai portage, quoi. Hein. C'est pas un niveau, un jeu à part. Non. Ouais. On retrouve notamment là, les montures. Voilà. Ouais. Donc là, vraiment, exactement pareil. Alors, la seule différence, c'est que le personnage n'est pas sur la monture. Et trop long, trop à chercher pour la Game Boy. La première chose dans le jeu qu'on pourrait se dire, c'est qu'il n'y a pas énormément de niveaux. Mais en fait, tu vois, il y a plein de choses comme ça, ouais. Comme dans les versions d'origine. Et en fait, plein de petits stages à débloquer comme ça, cachés. Et à chaque fois, ça rajoute dans le pourcentage de complétion du jeu, en fait. De finir le jeu à 100%, tu vois, t'en as même un là. 101%. Bon, là, je vais le boucler, voilà, parce que sinon, après, c'est très long. Mais dans chaque niveau, t'as plein de choses comme ça à débloquer. Ouais. Et ça fait que si tu veux vraiment remplir tout le jeu, t'en as vraiment pour très très long. Ouais. Vas-y. Non, j'allais dire, et du coup, pour la maniabilité. C'est-à-dire que, bon, là, on se retrouvait sur Game Boy. Alors là, effectivement, t'es en train de jouer avec une manette Xbox 360. Oui, et là, un très léger décalage avec les commandes. Oh, l'excuse bidon, oh, c'est faux, il n'y a jamais eu de... le traître, en plus, qui dit ça, alors. C'est ça. Oui, non, effectivement, on confirme que pendant les GL, on a malheureusement un petit décalage qui est minime, c'est quelques genre dixièmes de seconde, ouais. Mais quand tu joues à un jeu vidéo, quelques dixièmes de seconde, c'est énorme. Ouais. Non, la maniabilité est vraiment parfaite, là, il n'y a vraiment rien à dire, je vais montrer sur un autre niveau, justement, un peu plus technique, pour montrer que tout est bien calibré. Et c'est en fait, le jeu est quand même assez difficile, c'est-à-dire que les premiers niveaux, tu te dis, ça se fait assez facilement, mais quand t'enchaînes, tu te rends compte que les niveaux deviennent longs et difficiles. Ouais. Mais tu peux t'en prendre 4 fois en fait parce que la maniabilité est vraiment très bien faite et c'est souvent réglé au millimètre. Et t'as plein de choses dans les niveaux, là je vais te montrer par exemple. L'espèce de truc caché à gauche. Ouais. Allez. Alors... Oh là, ça a foiré ça. Voilà. Ah là, dès le début, t'as le système quand tu récupères les 4 lettres, t'as une vie supplémentaire. Bah, ouais. Dans certains niveaux, tu vois, si tu penses pas dès le début à explorer, et bah t'as pas la première lettre. En plus, là, t'as pas 40 chances pour. Non, c'est-à-dire que. Tu sais pas encore ce qu'il y a en haut, qu'il faut déjà que tu choisisses une direction. Et le canon disparaît une fois que tu t'es servi du truc. Donc, tu peux pas revenir en arrière. Donc, ce niveau-là, je le montre parce qu'en plus, graphiquement, il est très joli. Pour revenir sur ce que je disais à propos des décors, tu vois, pour de la Game Boy, là, on est quand même sur un niveau assez. Assez élevé. Ouais. Non, c'est vrai qu'ils ont fait un gros travail. On rappelle que c'est Rare hein, qui s'est aussi occupé de cette version, si je ne m'abuse. Et qui avait fait la version originale. Donc, ça n'a pas été sous-traité comme c'est souvent le cas maintenant. C'est souvent le cas pour les versions portables des jeux, c'est que souvent c'est sous-traité à une autre boîte, ce qui explique des fois que la qualité soit moindre. C'est ça. Non, là on est vraiment face à quelque chose de bien. Après, tu vois, on a encore tous ces petits stages comme ça dans chaque niveau. Tu touches les lettres sans toucher. Là, faut toucher les lettres. Dans l'ordre. Et en fait, à la fin, ça va rapporter, donc je vais expliquer. Hop.
Ils ont prévu pour se faire leur petite pub hein, quand même en Rare. Oui, ah bah. ils ont raison parce que le jeu est vraiment très bon. Là, dans les niveaux, tu peux récupérer comme ça des petites statuettes d'animaux. T'as l'espadon, t'as le rhinocéros, t'as l'autruche et je crois que t'as la grenouille, si je dis pas de bêtises. Et en fait, quand t'en as trois, t'es téléporté dans un monde où tu incarnes cette monture-là en fait. Et tu peux récupérer plein de petites statuettes. Ouais, c'est et un monde bonus, ouais. Voilà. Et à la fin du décompte, en fait, par tranche de 100 statuettes, en fait, tu gagnes une vie. Et c'est pas du luxe parce que les vies, elles partent très vite dans le jeu. Ça, j'en parle dans le test. C'est vrai que ce qui est un peu crisant des fois, c'est que t'as une progression par l'échec dans le jeu. Ouais. Il y a certains niveaux, t'es obligé de perdre. Bah, on l'a vu déjà avec les trucs cachés ou voilà, t'es obligé de tenter une première fois pour savoir où était la lettre, quoi. Il y a des niveaux vraiment, les ennemis, tu les vois au dernier moment. Là, par contre, tu vois, avec le lag, j'ai qu'une vie. Je sais pas si je vais réussir. Bien sûr que celui-là. Et là, voilà, heureusement, t'as les tonneaux comme ça qui sont restés. On rappelle aussi ce principe, c'est que tu as donc les deux personnages. T'as Kong qui est plus fort et voilà, Didi qui peut faire des roulettes. Kong, pardon, Donkey. Donkey peut tuer certains ennemis en fait que Didi peut pas en tombant dessus, par exemple. C'est ça, ouais. Généralement, c'est bon. Comme c'est Donkey est plus fort que Didi, parce qu'après, niveau saut, c'est les mêmes. Donc, généralement, on va préférer jouer avec Donkey si on l'a, quoi. Il y a la roulade que papa peut faire. Si, regarde. Ah oui, si, il peut la faire aussi. Si, il peut la faire. Il y avait un avantage quand même, hein, Didi, je sais plus quoi. Je crois que si tu fais une roulade et que tu sautes, Didi va faire un saut qui est plus long. Peut-être, ouais, ça doit être ça. Non, enfin, le principe, c'est qu'il était plus agile, quoi. Ne meurs pas. Oh non. Non. Tu vois, le lag des boutons. Non, mais là, franchement, je suis désolé, ça m'énerve. Bidon, va. L'occasion de montrer le checkpoint. Et d'ailleurs, de montrer que les niveaux sont... Le checkpoint, tu dis le checkpoint, toi. Ouais, le checkpoint. Ah, mon Dieu. De montrer que les niveaux sont longs, quand même. Comparé au premier, t'as vu qu'il va très vite. Là, on est seulement à la moitié du niveau. Ouais. Oui, effectivement, ils sont pas mal longs. Sinon, je sais pas si tu vas nous montrer ou quoi, mais il y avait aussi les niveaux, quand on parlait de progression par l'échec. Ça, c'est bien joué, ça. C'est pas ce que tu voulais faire, je pense. Non, parce que je voulais monter au-dessus et vous montrer après la monture. Il y a la grenouille qui est quasiment indispensable en fait pour passer la fin du niveau parce qu'il est très difficile. Mais tu vas réussir sans ça, t'es un pro ou pas? T'as vu ça? Ouais, bravo, tu vois. Et il suffit de te galvaniser et ça marche. Oui, donc j'allais dire, dans le genre progression par l'échec, tu as aussi les niveaux. Tu vois, ça c'est très vicieux aussi. Je te coupe juste là, t'arrives et au dernier moment, tu vois qu'il y a un ennemi qui lance des. Ouais. Un peu salaud quand même. De perdre une vie, quoi. C'est ça. T'as les niveaux, comment ça s'appelle, sur des. Mince. Sur des rails. Les niveaux sur les rails où tu avances continuellement sur des rails et tu sais pas ce qu'il va y avoir juste devant toi. Bah, il y a un niveau comme ça particulièrement, le niveau du chariot, que je pense qu'il a traumatisé tous les joueurs. Celui-là, t'es obligé d'avoir au moins un voire deux game over. Il est extrêmement dur. Il faut le retenir par cœur. Voilà, en fait. Et d'apprendre par cœur. Voilà, aussi, regarde, c'est très, très vicieux. Tu vas l'avoir. Voilà. Alors, c'est qui le boss? Sauf que là, je vais être bien embêté pour la fin, la toute fin du niveau, et tu vas voir pourquoi. Ça revient à ce que je disais, en fait, la fin, si t'as pas la grenouille, et merde. Ah, deux échecs, bravo. Deux échecs, ouais. Et pourtant, je me suis entraîné pour faire le niveau. Et c'est le principe, on n'arrête pas d'essayer d'expliquer aux joueurs que c'est beaucoup plus dur quand on est en gaming live que quand on est chez soi. Et il y a beaucoup de joueurs qui ne croient pas, qui disent « Ah, ben non, c'est pas possible !» Du coup, à la limite, plutôt que de refaire encore ce qui a été fait, je peux peut-être montrer un niveau aquatique pour changer un peu. Donc on va les chercher. Les niveaux aquatiques sont très bien aussi en fait parce qu'ils ont un peu, c'est un peu presque du puzzle game. Je crois que dans ce monde-là, il y en a un assez sympathique. Surtout quand on a l'espadon. Ouais. Je sais pas s'il y est dans celui-là. Si, il y est, mais il est pas toujours facile à trouver dans les niveaux. Alors les niveaux aquatiques, c'était quand j'étais petit, c'était ma grande frayeur parce qu'ils sont vraiment pas évidents. C'est pareil, c'est très vicieux, tu vois, c'est plein de petits ennemis comme ça qui t'envoient des boules et tout. Et t'as en fait, t'as un peu, t'as différents choix dans les directions que tu peux prendre. Oui. T'as pas qu'un seul chemin. Et souvent, d'ailleurs, t'as des trucs cachés, mais tu sais pas tant que t'as pas pris le chemin que c'est ce qu'il y a dedans, quoi. On voit pas beaucoup à l'avance hein, ce qui va nous arriver dans la tronche. Alors ça, c'est un défaut, par contre, de la version Game Boy, j'y viens. C'est qu'en fait, tu vois, on est sur un écran... format Game Boy, c'est même pas du 4 tiers, en fait. On a plus de hauteur que de largeur. Ouais. Et ça, j'ai l'impression, le problème, c'est que dans le jeu, les échelles n'ont pas été bien remises. Enfin, on était resté avec la version d'origine, donc du coup... tout ce qui est latéral... On est adapté pour un écran un peu plus large. Ouais. Et c'est ce qui fait, tu vois, là par exemple, là encore t'arrives, tu vois vraiment au dernier moment, il y a certaines choses qui sont vraiment très très difficiles du coup, à voir. La difficulté est peut-être un peu accrue à cause de ça, quoi. Ouais, t'as failli. Ouais. Et voilà. La difficulté est très dure, non mais je te dis, mais là par contre, la maniabilité, je reviens là-dessus, est vraiment excellente. Donc si tu perds, tu peux t'en prendre qu'à toi. Ah, c'est... alors là, tu ne t'en prends qu'à toi. Je ne m'en prends qu'à moi. Exactement. Est-ce que t'as encore un truc à nous montrer? Bah là non, en fait c'était vraiment un gaming live, pas tant pour expliquer le jeu car il est quand même assez connu et le principe des Donkey Kong Country est très connu. Voilà. C'est pour montrer que l'adaptation de la version Super NES est très bien faite, qu'on est face au même contenu,
Il y a vraiment de quoi, tu vois, avec tous les petits niveaux cachés, d'occuper très très longtemps si on veut remplir le jeu à 100%. Et voilà quoi. La bande-son, je sais pas si ça s'est bien entendu, elle est très très soignée. Bah, après, elle est très très soignée d'un point de vue musical. Après, bien sûr, d'un point de vue sonore, ça reste. On sent qu'on est quand même sur Game Boy. Mais les thèmes ont été adaptés de la version d'origine. Voilà, ils ont été adaptés de la version d'origine. Donc, d'un point de vue musical, c'est toujours aussi bien. Pas d'un point de vue sonore, on a forcément un peu perdu, mais c'est quand même pas trop mal rendu. C'est quand même bien adapté, c'est quand même propre. Ouais. Quand on sait à quoi ressemble la puce sonore d'une Game Boy, c'est quand même léger. Si les gens ont bon souvenir de la Game Boy, je pense qu'ils apprécieront quand même le côté réalisation du jeu qui est quand même très bien fait. Et bien voilà, un Gaming Off qui accompagnera ton test Oldies qui est déjà diffusé. Non, pas encore. Pas encore, mais qui sera diffusé sûrement en même temps que ce GL. Sûrement, oui. Et tu as mis combien sur le test Oldies? 17. 17 parce que le jeu est vraiment vraiment bon. Ouais, non, mais il y a quelques bien, j'ai été. Je voulais au début monter un petit peu plus, après je parle les défauts d'écran un peu large ou. C'est une très bonne note 17, ne te justifie pas. C'est une très bonne. J'en suis arrivé à cette conclusion. Merci beaucoup, Vanir, et à bientôt pour de prochaines aventures. Merci à vous. Simiesque. Ciao.